Elle est déjà sur nos écrans, la nouvelle série africaine Niabla, signée Alex Ogou et diffusée par Canal+. Niabla, c'est une histoire trépidante, pleine de rebondissements et d'émotions, qui plonge au cœur de réalités nocturnes à Abidjan, comme la prostitution, la drogue, l'alcool. Niabla, c'est aussi une large palette d'acteurs qui incarnent des personnages à la fois cruels, rigoureux, intéressants et captivants. Et nous avons le plaisir d'en recevoir deux aujourd'hui sur notre plateau, Stéphane Sebim et Ephraim Oka. Bienvenue à tous les deux. Merci. Comment vous allez? Super bien. Ouais, je vais être en dehors bien des tournages, bien sûr. Non, ça va, ça va. Ça va. Non, moi, ça va bien, oui. D'accord, on commencera par vous, Ephraim. Alors, dans la série, vous êtes dans la peau de Félix, oui. un jeune médecin qui se drogue et qui est également ami à Adjoa. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire oui à ce rôle? Je vais être très sincère. La première des choses pour laquelle j'ai accepté le rôle, c'est déjà l'opportunité de travailler avec Alex Ogou, qui est un très grand réalisateur qu'on respecte. Et donc, depuis longtemps, moi, je voulais travailler avec lui. Voilà, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté. Et ensuite, c'est le challenge, en fait. Interpréter un tel rôle, je vais dire un médecin qui se drogue à la fois, ça demande assez de recherche. C'est quand même un personnage un peu ambigu tout de même. Bah oui, exactement. Et c'est ce qui est intéressant en fait. Jouer un rôle, le rôle d'un personnage qui est lisse, ça n'intéresse personne. Mais un personnage qui est, qui paraît lisse, mais qui derrière a quelques côtés sombres, c'est toujours assez intéressant. Voilà, donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai accepté. Et ensuite, il y a le scénario. Après avoir lu le scénario, je me suis rendu compte qu'on était face à une histoire super intéressante qui abordait pas mal de thématiques. Et donc voilà, je pourrais pas vraiment refusé. Alors, qu'est-ce qui vous fascine donc particulièrement chez Félix? Félix, ce qui me fascine chez Félix, c'est son altruisme. Félix, c'est quelqu'un qui aime prendre soin, c'est quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un avant tout qui n'aime pas l'injustice. Voilà, Félix, durant tout le long de la série, vous allez le découvrir, est toujours là quand il le faut. Il aide toujours ceux qui en ont besoin et je trouve que c'est une valeur sûre à prôner et donc voilà, c'est vraiment ce qui me plaît chez lui. Et malgré son addiction? Oui, mais ouais, après on va découvrir, hein, ouais. Devant, sans spoiler, vous allez voir pourquoi est-ce que Félix se drogue tout ce temps. Alors Ephraim, comment est-ce que vous avez obtenu ce rôle? Est-ce que vous avez fait des tests comme tous les autres acteurs principaux? Oui, oui, oui. C'est ça hein, en fait. À un moment donné, les gens pensent que après avoir tourné 2-3 films, on ne fait plus le casting, mais non. Moi, on m'a contacté, c'est à l'époque, je crois que c'est Hailey qui m'a contacté, qui était directrice de casting à Plan A. Elle m'a contacté pour le rôle, elle m'a dit de venir passer l'audition. Donc je suis venu, comme tout le monde, je suis venu, j'ai passé l'audition. Et je suis rentré chez moi et après, ils ont délibéré et par la suite, ils m'ont appelé pour me dire que j'avais obtenu le rôle. Donc voilà, j'ai passé un casting normal, comme tout le monde. Oui. D'accord. Alors Stéphane, vous incarnez le rôle de Jacob le mafieux. Ouais. D'accord. Alors parlez-nous un peu de votre personnage. Alors Jacob, c'est l'homme de main de Papa John qui est l'un des plus grands caïds de la ville. Voilà, c'est un mafieux. Voilà. Donc, c'est ce jeune-là qui maîtrise mieux la ville. Il maîtrise bien la ville aussi, puisqu'il a grandi ici. Et il est l'homme fort, le bras fort de Papa John. Voilà. Là où Papa John ne peut pas rentrer, certaines zones, certains trucs qu'il ne peut pas faire, c'est Jacob qui s'en occupe. Alors, vous êtes tout le contraire de Félix dans la série. Vous êtes très, très dur, sans état d'âme. Alors, est-ce qu'en réalité, c'est comme ça que vous êtes? Non, non. Non. Là, c'est tout le contraire. Là. En réalité, moi, je suis carrément loin de Jacob. Okay. Voilà. Jacob, c'est, comme je l'ai dit, c'est un sanguinaire. Mais moi c'est bien différent. Quoi. Voilà. Alors, comment est-ce que vous abordiez chaque scène du point de vue du jeu d'acteur? Comment est-ce que vous abordiez vos scènes? D'abord, je répète chaque scène. Je répète, j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible, on va dire comme ça, avant même d'entrer en action. Puis j'essaie aussi, parce que moi je suis quand même quelqu'un qui écoute les critiques aussi. Voilà, donc sur le plateau, je demande même à certains collègues et autres, tout ça, comment tu vois ça, comment tu vois ça. Et on essaie juste de bosser ensemble avant que le réalisateur ne donne l'action. Et vous avez très très bien joué ce rôle de mafieux. On se demande, est-ce que vous n'étiez pas un peu au cœur
un peu hein, de ce réseau pour savoir un peu comment ça fonctionne. Sait-on jamais. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, je connais des Nigériens. Ok. Voilà, je connais des Nigériens. Moi-même, par moments dans le passé, certaines personnes ont cru que j'étais moi-même Nigérien. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu joué sur ça, mais pas que je suis mafieux ou non. D'accord. Et ça a été un gros zoom sur cette réalité, on le sait, de la drogue, les réseaux de trafic de drogue qui existent, mais dont on parle peu parce que c'est tellement sensible. Alors, est-ce que jouer ce rôle vous aura permis de comprendre un peu ce milieu? Oui, effectivement. Effectivement, tu comprends plus ou moins ce que ces personnes-là vivent. Dans quelle pression elles sont par moment, dans la dangerosité en fait de la chose, tu comprends un peu, voilà. D'accord. Et en termes de préparation, quel a été le petit secret qui vous a permis de vous imprégner totalement votre rôle? En fait, le truc aussi, c'est que j'avais vraiment envie de bosser aussi avec Alex. Okay. Ça aussi, c'est un point. Donc, quand tu veux pas, tu veux pouvoir en fait rendre celui qui t'a donné le rôle. Mm-hmm. Tu veux pas qu'il regrette après, tu es obligé de... Vous êtes donné sortir. Vraiment voilà. À fond, vous donc, avez bossé. Est-ce que vous avez fait aussi vos propres recherches sur votre rôle, en savoir plus sur les façons de se conduire d'un malfrat ou d'un mafieux? Voilà. Oui, effectivement. Tu fais des recherches. Aujourd'hui, on a un peu tout sur le net, sur Internet. Bien on sûr. Essaie de voir certains mafieux, comment ils se comportent, comment ils réagissent, quand ils sont pris, comment ils gèrent la ville et autres, comment ils essaient de commander les autres. Parce que Jacob, après Papa John, on peut dire que c'est carrément Jacob qui gère un peu tout ce groupe-là. Donc voilà, comment pouvoir donner des ordres, parce qu'il y en a qui étaient plus costauds que moi. Comment fallait que je fasse pour qu'on se dise, ah non, lui... Il peut quand même arriver à le commander, voilà. Donc c'était un peu ça. Et vous l'avez vraiment réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé votre personnalité. Vous étiez plein d'assurance. Et vraiment bravo. Alors Félix, Ephraim. Non, mais ça me dérange pas, Félix. D'accord. Non, je préfère Ephraim. Okay. Voilà. D'accord. Alors est-ce que Niabla constitue votre rôle le plus important depuis le début de votre carrière? Non, je ne dirais pas cela. Pour moi, tous les rôles. Mais vraiment, je suis sincère, là je le dis, ont toujours été importants pour moi. Même une simple apparition dans une production a autant d'importance que Félix dans Niabla. Pour moi, il n'y a pas de rôle important. Pour moi, tous les rôles sont super importants. Il n'y a pas de rôle important, mais quel est le rôle qui vous aura le plus révélé? Là, si je dois le dire, ça sera... moi, on m'a connu... Après, je vous pose la question, moi. Vous me connaissez en tant qu'acteur? Oui, bien sûr. C'est à partir d'où est-ce que vous m'avez connu? Makissar, oui. C'est vraiment là? Oui, ah, donc vraiment. Voilà. Mais il y en a qui m'ont connu à partir des coups de la vie. Parce que j'ai tourné pas mal d'histoires là-bas aussi. Voilà, donc il y a plus les coups de la vie et ensuite dernièrement la série dont vous venez de parler. D'accord. Alors Niabla, on le sait, ça a été 4 longs mois de tournage, de préparation. Alors quels sont vos meilleurs souvenirs de tournage que vous avez aujourd'hui en tête? Les meilleurs souvenirs de tournage. Et Stéphane, il nous dira aussi. Bah oui, heureusement, tu as le temps de réfléchir. On dit à Stéphane, je crois que Stéphane, une anecdote, quelque chose qui vous aura marqué durant le tournage, qui vous est resté gravé jusqu'à aujourd'hui. Le temps qu'ils réfléchissent, on est là. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'était la scène de conduite. Ok. Ouais, parce que... c'était le premier tournage sur lequel j'avais le temps vraiment de conduire. J'avais pas eu à vivre cette expérience-là avant, tu vois. Et j'apprenais sur le coup à conduire. À conduire. Oui. D'accord. Mais heureusement que c'était une boîte auto. Ok. Voilà. Heureusement, une boîte manuelle, ça aurait été encore plus compliqué. Et c'était sur une longue distance. Bah ouais, on a fait le tour de Yopougon et c'était la nuit. Wow. C'était la nuit à Yopougon, un samedi à Yopougon avec les maquis, les gens qui sont au bordure des routes. Compliqué, mais bon. Pas peur, c'était vraiment plaisant pour vous? Bah ouais, c'était une plaisant. Belle expérience. C'était une très belle expérience, quand même. Ouais, super. Et j'avais un très bon moniteur à côté de moi qui était Goose, qui me disait ce que je vais faire. Et donc voilà, c'était un pur plaisir pour moi. D'accord. Alors, et Stéphane? L'anecdote? Oui, une anecdote, un souvenir en particulier. Bon, c'est
Bon, le souvenir, c'est la belle ambiance qu'il y avait sur le plateau de tournage. La belle ambiance. On a même gardé les contacts jusqu'à présent. Voilà. Et l'anecdote, c'est pas vraiment quelque chose de particulier, mais ça fait partie de la composition du personnage de Jacob. En fait, c'est le regard de Jacob. Parce que Jacob, il a un regard un peu appuyé, il a sa manière. Donc, c'est quelque chose que je faisais avant d'entrer en scène. Ok. Donc, pendant qu'on est dans la cour, avant même qu'on donne l'action, je regardais, même qu'on m'appelle, je regarde tout le monde comme ça. Donc, histoire de rester. Vous baissez un peu les yeux, c'est ça? Vous baissiez les yeux pour. Non, pour le personnage. Il avait un regard très perçant. Ouais, ah, d'accord, un regard. C'est-à-dire, même la tête est comme ça, et puis je te regarde, mais coup, voilà. Ça intimide, quoi. Et pour finir, en fait, tout le monde. Le regard d'un véritable mafieux. Tout le monde me regardait comme ça sur le plateau aussi. Pour me faire ressentir ce que je veux faire, en fait, en les regardant. Donc, c'est juste ça, en fait. D'accord. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé Niabla, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi je lui dirais que honnêtement c'est une magnifique série, sérieusement. Moi je l'ai vu, j'ai vu le premier épisode à l'avant-première, j'ai vu les deux premiers épisodes encore sur Canal Plus Première. Et waouh, j'étais sous le charme de cette série, c'est-à-dire que les acteurs sont vraiment à la hauteur. On a des acteurs et des personnages très forts. Mon personnage préféré, l'un, c'est Jacob, que j'adore, qui est un jeune mafieux, mais vraiment avec un charisme pas possible. Ah oui, c'est le beau gosse, mais en même temps qu'il est méchant. Oui. Quoi, tu vois, il a vraiment quelque chose d'énorme. Tu as Sia qui est vraiment magnifique. Tu as Christelle Gougou qui est sublime à l'écran. Vraiment, tous les personnages, mais honnêtement, crèvent l'écran. Tu as une très belle histoire et ça se déroule vraiment dans Yopougon. Tu vois ce que je veux dire? Et qui parle de Yopougon parle forcément d'ambiance, parle de côté chaud. Et voilà, moi je les incite à regarder parce que c'est une très très belle série. Et il y a beaucoup de choses à découvrir dans Niabla. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnages qui vont intervenir qui sont aussi intéressants que ceux qu'on vient de voir là. Et il y a tellement d'intrigues, il y a tellement de rebondissements. C'est une série à ne pas rater, mais vraiment, vraiment. Et donc j'incite tout le monde à suivre cette série-là. Et voilà, ils ne vont pas regretter, quoi. D'accord. Alors Stéphane, qu'est-ce que Niabla vous laisse comme empreinte? Bon, déjà, moi, c'est. Pour moi, c'est une fierté d'avoir participé à ce projet. Voilà, je suis vraiment content d'avoir interprété ce personnage-là et je crois que c'est quelque chose qui va poser quand même l'eau dans mon CV artistique. Donc, je crois que Niabla m'a apporté grand. Voilà. Alors, un message à passer aux téléspectateurs? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, pour ceux qui ne savent pas encore de quoi il s'agit réellement, suivez cette histoire-là, Niabla, c'est une série purement ivoirienne et vous allez retrouver vos acteurs sous une autre forme, dans un autre registre, en fait. Des registres que vous n'avez jamais vus avant. Donc, moi déjà, vous allez me voir comme un caïd, vous allez voir Ephraim Oka comme un docteur Kamé. Voilà. Et il y a plein de rebondissements comme ça avec les autres personnages. Franchement, c'est une très belle série que vous devez découvrir. Ouais. Et je sais que une fois que vous l'aurez vue, vous serez accro quoi, pour la suite. Ouais, vous voulez acheter quelque chose? Non, à part que voilà, que ceux-mêmes qui n'ont pas pu voir les deux premiers épisodes, c'est simple, hein, sur MyCanal, je crois que c'est possible de voir les deux premiers épisodes. Voilà, donc qu'ils aillent dès maintenant suivre les deux premiers épisodes, quoi. Ils ne vont pas regretter. Merci Stéphane, merci Ephraim d'être passé sur notre plateau. Alors Niabla, c'est votre nouvelle série sur Canal+, originale, une série pleine d'émotions, on l'a dit, et de rebondissements à découvrir absolument tous les lundis dès 20h30 sur Canal+, Première. C'est la fin de cet entretien, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.